Gracias.
Canal Coelho. Vou ver o que você deu no corpo, eu tenho um café. Então, a minha história é bom, cai. Minha dama na lei, né? A minha pega a minha, tá? Meu agora, santo do crê, tá de mim com a cadê. Na minha vida, eu quero ser a vida. Eu tenho na minha vida, eu quero ser a vida. Eu tenho na minha vida, eu quero ser a vida. Então, aí eu vou, tá? Eu vou, na minha vida. Entonces, a la de la de la a la de la de la de la a de la de la de la de la de la de la No, mas é só, se era a câmera, se tiver um pouco de coisa, é isso, bonito. Vai, vem ali, madame. Onde é? Vai lá, vou ver. Vai lá, vai lá. Vai lá, vem ali, vai mostrar, vai lá. Vamos lá, vou te ver. Vai lá, vamos lá, vamos lá. Vai lá, vamos lá. Vai, vamos, vamos. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Voilà, approchez-vous, approchez-vous. Voilà, après on regarde. Merci. Super, merci beaucoup. Ouais, les dons là, à qui des droits, on va faire trois remises symboliques. À qui des droits, quoi. Frère Rémi à qui? Aux parents. Donc on appelle deux parents qui viennent, on va faire une remise symbolique, un papa, une maman, avec un jeune. Voilà papa, elle est venue à premier. Na allez banan, maman, pour bonabé, tu vois là. Voilà. Voilà, papa, elle est venue. Hein? On va faire la remise du papa en même temps rapidement. Voilà, ma soeur, il faut, voilà, tu vas remettre pour le papa, symboliquement. C'est ça. On regarde, papa, oui, en plein. Merci beaucoup. À la suivante. Remise symbolique. Voilà, soyons forts. Hein. Voilà, c'est émotionnel, mais soyons forts. Merci beaucoup. La suivante encore. Le suivant. Alors, on regarde la caméra en remettant et en recevant. Merci. Les trois personnes sont suffisantes. C'est bon. Après, ils vont vous remettre pour les autres. Ok. Oui, les gens posent la question, Inch'Allah. Salam alaikum. Je vais vous présenter. Je suis la soeur Nabi Touré, président de l'ONG Tradakana. Alors, aujourd'hui, en ce qui concerne votre première édition d'activité, alors qu'est-ce que ça donne? Les enfants orphelins
vous avez une émotion tout à l'heure avec presque des larmes. Vraiment, nous remercions vraiment, vraiment tous les donateurs. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous faites tout ça pour ces enfants-là. Nous remercions beaucoup. Et je suis là pour vous pense et toute face de vous. Parle de l'ONG Lavadjana. Où a été créée et quand? L'ONG Lavadjana est une grande jeune. Nous sommes vraiment jeunes, vraiment je vis au Canada. Donc c'est là-bas que ça a été créé. Donc nous avons des membres du Côte d'Ivoire ici et au Canada. Mais bon, c'est vraiment jeune, c'est il y a moins d'un mois, moins d'un an par an. Alhamdulillah, les gens ont répondu massivement à notre appel. On les remercie beaucoup, on ne finira jamais de les remercier. Que ce soit la diaspora en France, aux États-Unis, au Canada, comme en Côte d'Ivoire, on vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, quelles sont les différentes activités que vous entreprenez durant votre parcours? Aujourd'hui, nous sommes à Tékoubé. Inch'Allah, bientôt, on sera à Likouro. Et par la suite, demain, Inch'Allah, on sera à Daloa, dans une école aussi. Et par la suite, à Odjemé, à Dinomo. Dans toutes ces localités, nous avons, à Alhamdulillah, grâce à nos donateurs, on a pu parler, aider, on va aller porter un coup de pouce à ces enfants-là. Et puis, le but même de notre ONG, franchement, là, c'est de créer l'orphelinat musulman avec. Tout ce qu'il faut là-dedans, l'encadrement des enfants, la prise en charge totale de ces enfants-là, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que nos donateurs font parler encore leur cœur, pour que nous puissions réaliser tout ce que nous pour aider la communauté. Alors nous avons appris de suite là que vous avez pris en charge la scolarité de certains enfants, non seulement c'est-à-dire le nombre de ces enfants qui ont été pris en charge par l'ONG. Et combien la somme a été donnée pour la prise en charge de ces enfants? Au total, nous avons 50 enfants qui ont été parrainés au total. Depuis une première édition, c'est 50 enfants, autour de 1,2 million. Et puis, il y a quelques veuves qui sont avec nous. Et puis, nous avons aussi apporté des petits denrées pour aider ces familles-là, Inch'Allah. Quel est votre dernier message? Mon dernier message, c'est vraiment de dire merci aux musulmans de la diaspora et d'ici et d'ailleurs, et de les remercier vraiment pour tout ce qu'ils ont fait. On leur dit barakallahu fikoum et on leur dit de toujours œuvrer dans le sens-là. Ce qu'ils ont commencé, qu'Allah leur donne la force vraiment de continuer, qu'on a vraiment besoin, la communauté musulmane en a vraiment besoin. C'est vrai, on fait déjà, les musulmans font beaucoup, mais. Encore en faire, on en a besoin encore. Vous voyez ces enfants-là, ils n'ont pas demandé vraiment à être des enfants orphelins. Je suis mère et je sais ce que c'est que perdre ses parents parce que j'ai perdu mon père très jeune. Mais quand Alhamdoulilah, ma mère est là, mais j'imagine ce que ces enfants-là ressentent en perdant leurs deux parents. Franchement, je demande vraiment, vraiment aux musulmans de faire parler leur cœur pour qu'on puisse réaliser ce beau projet de l'orphelinat au Tchad. Comme le prophète l'a dit, Vous n'êtes pas. Enfin, il y a tout qui est.
Si on pose des questions, c'est-à-dire que l'activité est sur le l'activité est sur le matin, je dis que nous sommes très heureux pour ce don que l'ONG vient de faire aux enfants orphelins. Vraiment, c'est vraiment une difficulté. Voilà, je sache que étant responsable des études ici, j'ai constaté qu'on avait plusieurs problèmes et le recrutement même des frais de scolarité pour les enfants a été très 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 difficile. Et souvent même, il arrive à un moment quand on offre aux parents le paiement de la scolarité, au lieu de recevoir l'argent, c'est plutôt les larmes que tu reçois à ton bureau ici. Vraiment, c'est vraiment, vraiment des cas très difficiles. Voilà. C'est vraiment, nous ne pouvons que vous dire merci, merci, et que Allah ait assuré de Baraka les activités de l'ONG. Est-ce que vous avez reçu réellement de l'argent? Oui, je viens de recevoir une enveloppe aussi de la part d'une responsable de l'ONG. Voilà, pour pouvoir compenser les frais de scolarité de ces élèves. Alors, quel est votre message, non seulement à la loi de l'ONG et à la communauté musulmane? Bon, la communauté musulmane, je crois que c'est une très grande initiative qui a été prise là. Donc, il faut qu'on encourage la communauté et tous les musulmans doivent s'impliquer en fait dans le quotidien de ces orphelins. Et que les structures sociales à pouvoir créer un orphelinat digne de ce nom de la communauté musulmane. Merci beaucoup. Merci bien. Votre nom prénom c'est? Je suis Kibali Zakaria. Merci beaucoup. Ça n'a pas pu passer. Hier, ils sont venus avec ça. C'est hier, ça n'a pas passé. Hier, là, ils ont tous la matinée. Je vais t'envoyer l'image de la partie que j'ai reçue de certaines personnes. Ils ont dit c'est fini. Ils sont retournés avec le texte au retard, au lieu d'être sorti de cette voie-là. On considère qu'un mois, on est. Et puis, le bruit est sorti. C'est ici, je viens de consulter les États-Unis, quand tu es ici, c'est comme une ville qui vient à la ville, 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 à